Le nouveau système électoral somalien, un modèle qui ravit l'ONU. Son secrétaire général a salué les efforts du gouvernement fédéral, surtout sa décision d'établir un nouveau parlement bicaméral. Le porte-parole de Ban Ki-moon a déclaré jeudi qu'il s'agit d'une décision qui ouvre la voie à une transition avant même l'expiration du mandat des institutions actuelles. Le nouveau système prévoit notamment une plus grande représentation des femmes et des minorités. Les femmes devraient représenter 30% du prochain Parlement, conformément à la déclaration de Mogadiscio de décembre 2015, ce dont se réjouissent les Nations Unies. Avec ce nouveau système électoral, les deux chambres du Parlement devraient compter près de 330 membres. Ils seront choisis sur la base d'une répartition égale aux États fédérés, tout en conservant la formule de partage actuel du pouvoir entre les clans. Ban Ki-moon a appelé tous les acteurs à soutenir ce processus qui devrait davantage contribuer à la stabilité du pays.